Donc, je suis Thomas, je suis le fondateur de l'Apollo Sporting Club Lyon. C'est un club de boxe et de fitness qui vient tout juste d'ouvrir à Lyon-Part-Dieu. Ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent découvrir la boxe et son univers. Mais avant tout, je suis un grand passionné de sport. J'ai pratiqué tout type de sport plus jeune, le rugby, le hand, le tennis et évidemment la boxe. Et ce projet, il est né de ma volonté de m'entourer de personnes qui partagent la même passion que moi, celle du sport. L'Apollo Sporting Club, c'est avant tout un club à taille humaine. On limite à 10 personnes la participation à chaque cours pour que le coach puisse avoir vraiment une approche personnalisée et prendre le temps avec chacun pour les faire progresser. Ensuite, c'est également un club où il n'y a pas d'engagement, pas de mensualité. C'est le principe du crédit. Un crédit, c'est simple, c'est une heure de cours pour un crédit. Et plus on achète de crédit, moins le crédit revient cher. Et enfin, le vrai concept, enfin ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'esprit club. C'est-à-dire qu'on vient évidemment pour avoir des cours de qualité, mais aussi pour partager ce moment-là, pour avoir une ambiance de camaraderie. C'est une histoire familiale. À la base, il y a 10 ans, c'est deux frères et leur cousin qui ont monté le tout premier club à Paris. Depuis, ça a beaucoup évolué, ça s'est développé. Il y a 6 salles en région parisienne et l'Apollo Sporting Club Lyon, c'est la première salle en dehors de la région parisienne qui vient tout juste d'ouvrir ici sur Lyon. Le plaisir, je dirais vraiment le plaisir avant tout, c'est le maître mot ici au club, c'est prendre du plaisir. Donc prendre du plaisir en boxant, le plaisir de se retrouver, le plaisir de partager, le plaisir de boire un verre en sortant de l'entraînement. Donc, tout d'abord, déjà, je me félicite qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent aujourd'hui au club. Donc, nous, on rajoute des créneaux au fur et à mesure qu'on recrute des nouveaux clients. Et ce qu'on garantit, c'est qu'il y aura toujours le même esprit club. Même si on se retrouve demain débordé par le monde, on garantira toujours un esprit club et des cours en petits groupes. J'ai un coach par jour de la semaine, donc j'ai 7 coachs. L'équipe continue à évoluer au fur et à mesure qu'on augmente le planning. C'est tous des coachs diplômés d'État. Ils sont tous de très grande qualité. Ils ont la même passion de ce sport. Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je pense que j'aurais répondu couche tard. Mais plus les années passent, et plus les responsabilités arrivent et je vais plutôt la tendance actuelle, c'est plutôt lève-tôt, on va dire, actuellement. Pas de nourriture spécifique, mais plutôt j'essaye de faire très attention de garder une alimentation équilibrée pour me maintenir en forme. Maintenant que je tiens un club de boxe, je ne peux plus me le permettre. C'est une excellente idée, pourquoi pas? On va dire qu'à court terme, je vais déjà me concentrer sur ce club qui vient d'ouvrir et le faire bien tourner. Mais à terme, c'est une super idée. J'adore le Mexique. Moi, j'y suis allé en vacances à Mexico. La ville de Mexico, pourquoi pas? Ça serait quelque chose de fort. Par contre, il va falloir que je travaille sur mon espagnol avant d'arriver à Mexico.